Let me see. 10. Hop. Ah. Il y a eu des morts par ici. Question. Je pense que je meurs hein, là si je saute. Genre. Bon. Ouais. En fait, je voulais savoir si je pouvais cancel les dégâts de chute avec le double saut de torrent. Mais il se trouve que non. Bon, bah, faut que je fasse le tour alors. C'est pas du tout la même chose. Il vaut mieux limite que je parte de là. Double saut annule pas les dégâts de chute. Bah ouais. De toute façon, là j'ai pas pu en faire un parce que j'avais pas fait le premier saut déjà. Mais ouais. Salut. Well done. Well done indeed. You made it through that entire mess all the way to Stormvale. And off you trotted to the round table hold. My sincerest congratulations. But how did you find the round table? Oh, you don't have to say it. Before, the round table was chock full of venerated warriors. But now, it's home to puff chests and has-beens. I fear you've been terribly disappointed. I don't blame you. But still, the round table has its perks. Why not earn a seat? Fly straight and true, so to speak. Ah, vas-y, soyons vertueux. Moi, je promets de ne jamais utiliser de magie. C'est quoi, c'est un serment, c'est ça? They are the purported masters of the grace that guides your kind, the Tarnished. Hmm. Yes. Pay them a visit, so that you may see for yourself. Ça marche. Ça marche, ça marche. Godric the Grafted, Lord of Stormvale, to acquire a great rune. Decrepit he may be, but a demigod. Ouais. Ok, donc en fait ça débloque du gameplay et certaines choses, mais ça te permet pas de finir la fin du jeu, ouais d'accord. Ah oui, il fait référence à sa phase 2, je crois, où il sort une tête de dragon, c'est ça? Ouais, lui il est pas ouf. Et ouais, c'est vrai que t'es pas con. Tes âmes sont restées en haut. Oui, totalement. Donc, bah, je vais me. Je sais pas si j'avais beaucoup d'âmes, mais bon. Vas-y quand même. Hein. J'allais chercher. Il y avait un site de grâce, là je l'ai pas vu. Je l'avais pas vu. C'est bon, ils rentrent tous à la maison. Oula, alors. On va y aller comme ça. Paf, voilà. Et je vais choper le site de grâce parce que c'est quand même fou que je l'ai pas vu. Genre il est là, là derrière les buissons. J'essaie de pas me faire voir quand même.
Vraiment, ils en ont fait des fois des très très proches et des fois des très très éloignés. Alors vraiment, entre celui-là et celui-là, il y a juste un avant-poste, quoi. Ok, bon, on retourne au début. Alors, par où on descendait déjà? Par là, je crois. Il y avait un endroit pour descendre. Ouais, voilà. En fait, il court pas. Il peut dash de temps en temps, mais il court pas. D'accord. Ah tiens, bonjour! Vous m'en voulez pas, je viens pas vous taper tout de suite, hein. Monsieur le dragon. En plus, il y a des crabes, oh, vas-y, mais quel endroit de merde! Heureusement que je suis passé à cheval. Oh putain! Qu'est-ce que ça dit? Boss droit devant. Très bien. Petit conseil, prends pas toujours les ascenseurs dans les mines, il y a peut-être des choses cachées. Je vais faire un double check. Ah oui, en effet. Bon là, je pense qu'il n'y a rien hein, à cet étage-là. Mais là, en l'occurrence, il y a un petit truc. Oh, c'est ridicule, c'est nul. Par contre, ça, j'en aurais bien fait un mur illusoire, tu vois. C'est bien dommage. Il y a d'autres trucs le long de l'ascenseur, je crois pas. Hein. C'est dommage. C'est dommage, il m'avait montré la marche à suivre, mais j'ai. Oui, en plus ça me ramène là. Bon, Du coup, mes runes, elles sont là, d'accord. Mais oui, c'est dommage, il m'avait montré, genre. Genre c'était clairement par là. Mais oui, moi j'ai pas encore le réflexe du jump. Genre là, jump. 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 Bon là ça sert à rien. Mais ouais, ok. J'ai glissé, chef. Mais genre vraiment, je me suis arrêté devant là, devant là. Devant le bord, c'est un peu triste. À mon avis, toujours pas, hein, mais Ah, quoique. Ah, bah si. Si tu vois, j'aurais pas dit. J'aurais dit qu'il en aurait manqué. Mais du coup, ouais, ça y est. Maniement à demain, Acquired. Très bien, mais on va faire un petit bac. Ça tombe bien que je sois là. Faire un petit bac tout. Oh, vous faites chier. Bon, c'est pas grave, hein, tant pis. Je backerai après ça. Eh merde, oui, du coup je suis lourd. Va falloir revoir mon setup. 10,8 pour 10,8. Eh, ça c'est worse, attends. 5,7 pour 7,1. C'est grave worse. Et en termes de... Attends que je vois un peu.
Elle est où la charge? Elle est où la charge? Charge équipée. 37 sur 49. Non, 32,7 sur 49. Et c'est à partir de quand que je suis au max? Charge moyenne, ok. Ah, par exemple, si je rajoute 2,9, ouais, je passe en lourd. Ouais, bon, tant pis. Tant pis, tant pis. On va rester comme ça. Alors. Bon, du coup, un peu faire un petit tour du moveset. Ok, l'attaque de base s'enchaîne plutôt bien. L'attaque puissante. Ok, s'enchaîne bien. Fait des éclairs. Ok, c'est rigolo. Jump. Balayage. Jump. Ah, jump. Jump, ça finit droit. D'accord. Et en courant, courant droit, courant balayage, ouais. Ok, d'accord. C'est rigolo, c'est un fer, c'est genre attaque simple, normalement ça finit droit et en jump c'est balayage. Et attaque lourde, normalement ça balaye et là ça finit droit. Ok. Et l'attaque après. Ouais, ça je l'utilise jamais, tu sais, le petit pas en arrière. Parce qu'il faut pas avoir le doigt sur le stick. Et moi j'ai toujours le doigt sur le stick. Mais ouais, c'est vrai qu'on y pense jamais. Mais le back puis attaque, ça peut avoir de la puissance. Et attaque sortie de roulade, oui, c'est vrai. J'ai l'impression que ça s'enchaîne mal. Ouais, en fait, juste elle attend. Genre, il n'y a pas d'attaque sortie de roulade. Genre, juste elle attend de finir la truc de la roulade. Et en attaque lourde, ouais, même chose. Il n'y a pas d'attaque sortie de roulade, rigolo. Rigolo, rigolo. Première fois que je vois ça. Pourtant, généralement, l'attaque sortie de roulade, c'est une des plus rapides. Fait moins de dégâts, mais elle est plus rapide. Bon, il y a des gens qui meurent, donc je suppose que ces trucs-là sont agressifs. Ces trucs-là ont de la vie surtout. Ah mais attends, non, pourquoi je fais zéro dégâts? Ouais, en effet, pierre de forge. Je fais vraiment zéro dégâts ou c'est eux qui ont une défense de fou furieux? Parce que là, je lui faisais du 20 au bougrin. Ils sont en caillou, d'accord. Potentiellement, s'il avait une pioche, ce serait mieux. Alors toi, t'es plus dangereux comme tu fais rien. Ouais, vraiment, faut les miner, les bougres. Ok, pourquoi pas. Dégâts contendants, c'est mieux. Ah, ouais, c'est vrai. Peut-être que là, si je sors mon marteau. Ah merde, j'ai pas assez de. Oui, j'ai pas assez de force. Au pire, celui-là. Celui-là qui fait normalement moins de dégâts. On va voir s'il fait plus. Parce que là, je crois que je suis sur du 26, hein. Et là, si je me mets à faire ça. Ah oui! Oh putain, ouais, d'accord. Ok, donc c'est bien d'avoir plusieurs armes et d'y penser à ça. Ouais, parce que là, je les two shot alors qu'avec l'autre, faut que je les tape 12 000 fois, quoi. D'accord, mais on retourne en mode Ooga Boonga. Et ça marche bien. C'est des ratas. M'avait manqué ces rats. Les rats, c'est peut-être les ennemis les plus récurrents depuis Dark Souls 1. Ils y sont toujours et on les aime bien, c'est les rats. Ils ont le même skin hein, depuis Dark Souls 1 aussi. On les aime bien, c'est les rats. Ah
Ouga tapez fort. Lui je l'ai déjà fait. Ok. Potentiellement du coup je peux venir farm les pierres de forge ici quoi. C'est un peu cheaté ça. Mais bon d'un côté on est dans un monde ouvert. Faut se dire que c'est normal. What do we have here? Ah, elle respawn pas. Genre les loots respawn pas. Par contre, les mobs ils doivent respawn, je suppose. Alors, il y a l'air d'y avoir un truc à sauter à gauche. Mais pour aller où? Ah oui, il y a un trou là, non? Attends, on va faire quelques allers-retours, essayer de voir si j'ai pas raté des trucs. Bon là on peut pas passer mais là y a pas un trou là? Et si y a un trou là? Que même y a un mec qui est mort devant parce qu'il a dû rater son jump. Oh! En fait non on voyait pas dans l'ombre mais y a pas de trou du tout. Par contre ça je l'avais pas vu ça. En fait l'histoire était de l'autre côté. Je peux descendre autrement qu'en mourant là. Ouais, y a une petite. Ok, là. Petite corniche. Ok. Ok. Bon, on va passer à droite là, du coup. Enfin, à droite, derrière. Ous! Ouais, juste les mobs. Mais les mobs, ils en lootent un peu. Donc en vrai. Ah, je crois qu'il m'a vu lui. Tu fais avec ta lampe là? Faites des bêtises vous avec vos lampes. Oh c'est des grosses bêtises ça. Oh, c'est pas... Genre il est pas mort, vas-y. Non merde oui, remets tes potions. N'essaie pas d'appeler ton cheval, ça sert à rien. Ok, bon toi, backstab. Boum, tac. Alors, voyons voir ce qu'il y a là. Attention derrière. Ah, je suppose que, genre, si t'allais direct à droite sans faire gaffe, il y avait les. Ceux qui étaient là qui venaient te backstab. Peut-être. N'empêche, c'est triste qu'on fait genre. On se rend dans les exploitations minières. On tue les mineurs. Et on vole leurs ressources. Ok, donc là ça commence à être un peu labyrinthique. Est-ce que je retourne là-bas ou est-ce que je continue par là? Bon allez, je continue par là, je me souviens que j'ai laissé un chemin là-bas. Ok, il y a un endroit où on pouvait se poser là. Et là, qu'est-ce qu'on a? Après peut-être que cette zone-là rejoint la zone où j'étais tout à l'heure. Père nécessaire. Comment ça, père nécessaire? Faut quoi? Faut avoir des couilles? Menteur droit devant. D'accord. Il y a peut-être un PNJ là qui nous disait quelque chose et qui nous frappait derrière, je sais pas.
pas tellement envie d'ouvrir ces portes. Parce que... Ah oui, on voit un gros truc derrière là. Je sais pas si c'est un mob méchant ou pas. Je vais peut-être continuer d'explorer. Déjà voir si j'ai rien raté dans cet ascenseur. Ah là, j'aime bien, tu vois, les grottes. Ok, il y a des endroits, il y a des rebords. Mais est-ce que ces rebords mènent quelque part? J'ai raté. Il y avait un loot sur celui d'en haut. Et il y avait des bonnes... Ok, d'accord. Donc c'est ça le délire des rebords. Oh ouais, vas-y, mets l'effigie de Marika, je sais pas où elle est, mais... Il n'y a pas une musique d'ambiance de merde. Il y a une petite résonance, mais c'est suffisamment léger. En rouge, je suis là. Ah d'accord, au moment où j'ai choisi de... très bien d'en avoir mis une là. Très bon level design, From Software. Ouais, en fait, on peut facilement les contourner, hein. C'est... Pardon, toi, je pensais que tu minais. En fait, tu minais pas. Aïe. Aïe, c'est bon, on a compris. C'est le mec qui se vexe. C'est bon, arrête de me frapper, là, oh. Ça me rend d'embrumante. Voilà, du coup, si je saute en principe. Déjà, où sont mes âmes? Ah, elles sont peut-être en bas. Ça me dit qu'elles sont là. Ah oui, en effet, elles sont en bas. Très bien. Ok, donc l'idée... Mais au pire, à la limite, je peux... Juste sauter depuis le... Ah mais non, parce qu'il y a la chaîne qui va me gêner. Ouais. Genre là, si je fais... Et non, je le rate à chaque fois. Peut-être pas faisable, hein. Je pense qu'il faut que j'essaye de le choper depuis l'ascenseur. Pas depuis... Pas depuis... Mais ouais, de pas avoir cette... Non, toujours passer à gauche. Ah, ouais. C'est peut-être pas con, oui, d'essayer de l'autre côté finalement. De voir s'il n'y a pas. Ah, lui il loot un truc, hop là. Amas de pierres explosives, hein? C'est ce qui me lance dessus là? Et oui, c'est vrai qu'à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Ah oui, on dirait un rebord, oui. Pouk! Hop là. Et là, du coup, pierre de forge sombre. Nickel, ouais, d'accord. Ah oui, c'est vrai que ça paraissait un peu haut. J'ai fait un peu le con. Toi, redescends, plein. Et on va voir ce qu'il y a là, hein, quitte à y être, hein, du coup. Un troll fouineur. Non, fouisseur, pardon.
Alors je suppose qu'il vaut mieux du dégât contendant aussi. Ce qui m'a l'air d'être un peu craquelé aussi. Puis même je trouve que je fais pas mal de dégâts avec la massue, donc ça me va. Ok. Genre j'ai raté. En fait ouais, faut pas que je le vise. Parce que le fait de le viser, ça me fait finir entre ses jambes. Ce qui est plutôt pas ouf. Hop là, le petit coup dans le cucu, la petite fessée. Médaillon de cri. Oh. Pourquoi pas? Boss time, EZ, GG. Oh, pas besoin du GG, plus du EZ, hein, honnêtement. Mais bien sympa, tu vois, comme petit boss. Quelques petites patterns un peu sympas. Une qui fait des gros dégâts quand même. Enfin, pas des gros dégâts, mais une belle AOE. Donc ouais. Par contre, j'aime beaucoup le délire de faire des dégâts contendants avec une arme plutôt qu'avec une autre, et du coup qui nous oblige un peu à changer notre set de temps en temps. J'aime beaucoup ça. Quoi de plus? Quoi de plus? Quoi de plus? Ça, au final, je l'avais mis, mais j'ai pas trop de dégâts de foudre, donc autant revenir au feu. Parce qu'au final, il me l'avait donné pour me protéger des dégâts de foudre face à des boss de feu, donc c'était un peu bête. Tac, ça j'en veux toujours pas. Et du coup, qu'est-ce qui m'a loot? Médaillon de cri, je crois. Améliore les cris et les souffles. Alors les cris et les souffles, si je me souviens bien, c'est un certain type de compétence d'arme. Est-ce que je peux utiliser les griffes? Je n'en ai aucune idée. Je pense pas honnêtement, ça doit demander peut-être un peu trop de dex. Ah non, je peux les utiliser, ouais. Donc en fait ouais, il faut que j'ai à peu près tout pour chaque type de dégâts, genre là tranchant, perçant, là dégâts contendants, contendants encore, encore contendants, dégâts ordinaires, dégâts perçants. Donc je suppose qu'il y a tout ça, genre il y a perçant, tranchant, ordinaire et contendant, c'est ça? Et après il y aura peut-être magique, je suppose, mais magique c'est autre chose. Dommage parce que ça a l'air d'être précieux ce qu'il y a par terre là, mais retourner à l'entrée, non, j'aimerais juste retourner là où j'étais tout à l'heure là. Enfin quoi que si, vas-y, retourne à l'entrée. Tant pis, je referai le chemin. Mais ouais, du coup je peux utiliser les griffes. Je sais pas ce que ça donne, si c'est plus worse face à certains ennemis. Parce que si je les équipe, attends, ça donne quoi?
ça m'en donne une juste à droite. Qui est très stylée. Et si je la mets à deux mains. Mon dieu. Ah, je peux parer, d'accord. Alors, ouais, ce qui va m'embêter, moi, avec ça, sera peut-être la portée. Mais sinon, ça a l'air cheaté. Enfin, ça a l'air sympa, quoi. Ça fait combien? Ça fait du. Ok. C'était pour l'attaque spé surtout. C'est-à-dire l'attaque spé. Alors attends, 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 attends. Alors tu fais un dash? Pas vif, d'accord. Ah, et ça permet de tourner autour de la cible verrouillée, d'accord. C'est pas celle que je pensais. Ah, bah non, du coup, c'est le pas vif. Montons au niveau, on va prendre. Entre la vigueur et la force, mais je vais mettre la force. Hein. En vrai, ça va, hein, j'ai pas une vie non plus qui baisse super vite. Ça, je suis pas obligé de vous tuer, vous. Mais bon. Comme vous êtes free, j'aime bien. Les autres sont pas sur le chemin, je vais pas aller les chercher, je sais pas. Hein. Allez, donc c'est là que j'étais pas venu. Alors là, on a un chien. Bon, on avait un chien. Là, on a une musique d'ambiance là. Qui en soi met plutôt bien l'ambiance. Après, c'est la première fois que je l'entends quoi. Si jamais je fais 12 tries sur cette zone et que je l'entends 12 000 fois, ça risque de me casser les couilles. Toxique métro. Comment ça, toxique métro? Ah oui, en effet, objet précieux droit devant. Comment il est mort, lui? Ah, il s'est laissé bloquer. Bah, bien fait pour ta gueule à jouer de la magie, là. Rien d'autre. Bon. Ouais, donc en fait ça c'était le chemin principal où genre t'arrivais là, tu finissais sur un cul-de-sac et t'étais là en mode elle est nulle cette grotte. Et fallait trouver le deuxième chemin qui est là-haut là. Pour pouvoir finir la grotte et avoir le boss. Ok, bah plutôt cool, plutôt cool. Ça m'aura fait bah, pas énormément d'XP mais. Quand même un peu. Ça m'aura fait un petit niveau. Plus un petit loot. Plus un petit boss un peu sympathique.
Donc honnêtement, je peux voir... non, pas ce menu-là. Ce menu-là. Tac, 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 tac. Si je vais dans statut... Ouais, ok, je peux voir combien il me faut pour me pour level up. Il faut 4500. Ok. Toujours est-il que... J'ai vu un truc qui me plaisait bien. Ah, et d'ailleurs, je me demande si ça vaut pas le coup de me reposer là. Goulajol, eh ben je... Les gens disent des conneries des fois. Ouais, je vois. Oui, l'histoire du trou là, moi je... Ouais. Mais je vais me reposer là et je vais peut-être essayer de... Bon, il est très certainement pas à mon niveau, hein, mais... Peut-être faire un petit coucou au dragon. Non? Je suis pas trop loin, ouais. Parce que là, justement, je suis sur un truc juste à côté. Et là, il y a un dragon qui spawn. Est-ce que c'est un dragon boss ou c'est un dragon mini boss? Et surtout, est-ce que c'est un dragon faisable? Putain, il a l'air faisable en vrai. Alors il vole, donc il est chiant. Coup de queue là, n'est-ce pas? Ouais. Et ouais, la tête, elle paye mieux. Ok, bah écoute, ça va être un bon petit combat à cheval, je pense. Et est-ce que le jump, ça marche aussi? Ok, très bien. Par contre, faut que je fasse gaffe, la vie de mon cheval, elle baisse. Qu'est-ce qu'il va faire là? Il se retourne, ok. Ok, il s'envole. Voilà, il va sûrement cracher du feu comme il a la distance. Ok, going for the head. No. Ah ouais, ouais. Dommage, en vrai il est faisable. Il est faisable, je me demande même si ce serait pas mieux à la limite que je descende. Parce que c'est cool la mobilité, mais du coup j'ai bien moins. Enfin mon. Mon moveset est grave limité quoi. À cheval, c'est très facile. Moi, je vais rester à cheval alors. Ouais, non, j'ai rien contre le combat à cheval. C'est juste que ça me fait chier, genre, de courir partout. Mais d'un côté, ça me rappelle un peu les combats sur Sekiro, genre. Où tu cours partout autour du démon de la haine, là. Pour le perturber.
Ah, pardon, monsieur le crabe. Pas vous déranger. Je vais essayer de choper. Est-ce que ça marche les. Ah! Plutôt cool comme attaque puissante. C'est vrai que je l'avais pas essayé l'attaque puissante. Tu vas aller les foutre super loin, mes âmes. Où est ce foutu dragon? Ok, plutôt cool l'attaque puissante. Ok, mon cheval est mort. Ah oui, ça va loin quand même les flammes. Mais la hitbox va pas aussi loin. Et oui, par contre, s'il arrive à garder la distance comme ça, je suis baisé. Oh non, sérieux, le dernier bout de hitbox qui est resté, il est pour moi, quoi. Ok, tant pis pour l'espèce de petite coquille là qui était là. Ok, ça je l'ai. Merde, mal anticipé, ça va. Ah oui! Le point faible qui est en surbrillance. Merveilleux. Oh là là, mais qui sont faciles ces dragons. Mais qui sont faciles. Ennemi majeur abattu. C'est pas très majeur, hein, honnêtement. Cœur de dragon. Oh. Un nouveau pouvoir est désormais possédé à la cathédrale de la communion draconique. La hache, c'est trop bien. Ah, elle marche bien. Elle marche bien. C'est surtout putain, la portée qu'elle avait. Même en étant sous sa tête, je pouvais la voir. Et au final, du coup, en restant sous sa tête sans qu'il puisse, sans trigger, du coup, ses attaques de feu. Ah, je peux payer une dose de fiole pour le ranimer. D'accord. Ça marche. De toute façon, je vais me TP. Mais ouais, je vais me TP là pour me. Pour me. Bah, d'ailleurs, c'était peut-être pas le meilleur TP à faire. Mais je vais me level up en tout cas. Du coup, monter de niveau. On va mettre la force. Peut-être un poil de vie. Non, la vie, ça allait. Hein. Allez, on met de la force. Hein.
Et maintenant, du coup, on va se TP, du coup, pour aller à la geôle. Ben là, hein. Parce que je suppose que là, c'est peut-être plus proche, mais il va falloir passer à travers champs. Alors que là, juste, je suis la route. Et en plus, comme je suis sur la route, je peux tomber sur des trucs sympas, je suppose. Mais ouais, là, la hache, c'était giga bien. Et au final, tu vois, plus à l'aise, presque plus à l'aise sans le destrier. Parce que le fait d'être le dé d'être de courir autour de lui avec le destrier, ça... Ça... Comment dire? Merde, attends. On va les faire. Genre, j'ai pris des dégâts. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais merde, je suis en train de massacrer des innocents là, je crois. Ça va? Tant pis si on fait tal au bord de la route. Ouais, je crois que j'ai massacré des innocents. Tiens, une effigie de Marika ici. Pourquoi? Alors attends, parce que toi... Voilà déjà. Ensuite vous. Bah, venez, venez par là parce que j'ai pas envie que le mec à cheval, voilà, il nous a pas vu, c'est cool. Voilà, vous deux c'est mort. Maintenant, entre toi et moi... Ok. Ouais, elle frappe, hein. Elle frappe bien la hache. Elle frappe bien, plutôt bien, ouais. Et le mec à cheval là-bas, je vais essayer de le faire, mais à pied, moi à pied, lui à cheval. Toi là. Ouais, mais si je vous cancelle à chaque coup, mec, c'est... Oh là 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 là, mais l'exécution par terre là. Heureusement que son cheval censurait la scène, hein, parce que sinon ça aurait été moche. La nuit, il se passe des choses. Alors, cette phrase est très énigmatique, hein, honnêtement. Je sais pas trop quoi en penser. Je suppose, oui, il doit y avoir des monstres, non? Peut-être qui attaquent les gardes. Non, je peux... Je suis bloqué par un truc pour pouvoir le backstab, hein, j'étais triste. Oh! C'est dans tous les trailers, ça. Ok, donc là, l'idée... Peut-être les observer un peu de loin. Et on va viser... Voir ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui se passe là? D'accord. On m'explique ce qui branle là, lui. Bon alors, parce que oui, ça du coup, c'est une charrette, et comme toute charrette, il y a un... Voilà pourquoi il y a une effigie, d'accord, par rapport à ça. Ah, et là-haut, il y a un fils de pute. Juste à côté de la statue, justement. Qui est en train de regarder, non? Il a des jumelles. Bon, évidemment, ça se vole par l'avant, pas par l'arrière. Ah non, si, par l'avant. Ah mais il y a du monde, pardon, vous m'avez pas vu. Ah oui, il y a une effigie parce que la nuit il y a des choses qui se passent, d'accord. Ah et c'est tout un cortège. Mais techniquement, ce que je peux faire... là-bas ils bougent pas. Mais voilà ce que je peux faire.
vous attaquer par derrière. Pourquoi ils ciblent des trucs qui sont à 3 km devant là? Ok. Mais ouais, du coup, en fait, il doit y avoir des effigies un peu partout. Parce que sinon, comme le monde est vaste, les runbacks seraient criminels, quoi. Toi là-haut, je veux voir ce que tu fais là. Tu lis mes messages 10 minutes après. Ah ça oui. Ah peut-être qu'il y a du délai. Merde. Et oui, toi tu regardes avec ta truc. Donc si tu m'avais vu, t'aurais averti tous les bougres d'en bas. Putain, ils vont vite, hein. Mine de rien. Alors, rattrapons le dernier du cortège. Merde. J'ai raté. Putain, mais je suis nul. Descends de là. Je suis vraiment nul, hein, pour les trucs à cheval. Parce qu'il faut, il faut le timing. Donc ça c'est dur. Mais je crois qu'ils avaient rien à voir avec le cortège. Genre juste ils étaient là quoi. C'est tout. Ça me rend triste de faire des niveaux sur des pauvres gens. Mais attendez. Là, ils sont tellement en avant que si je veux, genre, je saute là, je chope le loot et je m'en vais. Ah, je peux pas. Merde. J'ai misclic. Bon, alors toi. Merde, j'ai pas réussi à te clouer sur place. Comme hier. Oh là là, l'exécution par terre, elle est magnifique. Avec son corps là qui gigote. Coquinou va. Elle m'a donné son chapeau. Ah, faut que je les arrête pour choper le coffre en fait. C'est un peu chaud quand même. Et ouais. Peut-être il me faut une clé. Qui est à l'avant. Et non, à l'avant il n'y a rien. Et là du coup on est d'accord, le cortège est mort hein. Donc je peux tuer les géants. Mais du coup genre là pour ça on peut pas se le faire en sneaky. C'est là, non? Ouais, ok. Oh, damn! Toi ça va. Je suis pas obligé de te tuer toi. Vous êtes arrêté. À partir du moment où c'est arrêté, je peux choper. Ah voilà, en fait faut arrêter le truc.
Oh. Oh. Ça, j'aime bien ça. Ça me plaît. Ça demande combien? 8 de dex et 30 de force. Ouh loulouloulouloulou, je pourrais peut-être pas l'utiliser de suite. Même à demain, hein. Même à demain, c'est cause perdue. Ouais, j'ai toujours la croix rouge. En tout cas, elle me plaît bien, elle est jolie. Je sens que je vais aimer les haches dans ce jeu. En tout cas, pour l'instant, je les aime. Alors. Eh ben.